Link start. Le plus dangereux ennemi que tu puisses rencontrer sera toujours toi-même. Oh, très belle citation, très très belle. Et donc bonjour les gens. On se retrouve pour un dernier épisode de Class of the Elite. Après l'incroyable épisode de la semaine dernière. Et mon dieu, j'ai hâte de voir comment on va se clôturer cette saison 2 parce que voilà, c'est le dernier épisode de la saison 2 avant la saison 3 la semaine prochaine, la semaine prochaine, l'an prochain. <laughs> Et vraiment, voilà, merci énormément pour tous les retours sur la dernière vidéo, les commentaires, les likes, merci pour tout, tous ceux-là qui ont regardé la vidéo. C'était incroyable. La vidéo était incroyablement accueillie. Oh <laughs> Bien éclaté, ah oh, putain, quel plaisir, quel plaisir, oh, t'es fait fracasser, oh. ah ouais, <laughs> putain il a, c'est bon, il a pété les plombs. Ah ben bah là... Ah il a dit ah quoi Albert était soumis à la base ok. Ah ouais, il est devenu tellement... Euh, tellement faiblard du coup, entre guillemets. Oh putain, ah il est détruit Limite ça me fait de la peine Alors que c'est un gros bâtard qui a fait tellement de mal à tellement de gens. Oh Et elle du coup elle est en mode vénère bien évidemment. Oh et Anokoji. Oh putain et maintenant il a envie de l'utiliser Il a envie de l'utiliser tel un pion ah, Ok. Je suis trop content. D'un côté, c'est triste parce que bah, c'est la fin de la saison, on va plus avoir d'épisodes tous nos lundis. Mais en même temps, je suis tellement content de découvrir ce qui se passe enfin, quoi. Eh oui. Eh oui. <laughs> as, du coup, elle, elle a tout vu. Euh... Limite, elle, elle sait tout son secret, on va dire. Enfin, son secret, le fait que voilà, il, il est bien plus fort que ce qu'il fait paraître aux autres. Et qui joue euh, des pions. Euh... Ah, ben bah, si bah... Kay, mais t'es euh, oh. Si Si, 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 si. T'es totalement amoureuse de lui <laughs> C'est que maintenant que tu t'en rends compte <laughs> Moi, je pensais que ça faisait un moment qu'elle s'en était rendue compte qu'elle était amoureuse. Euh... Depuis justement que celle-ci était avec... Euh... <laughs> oh, putain <laughs> Ok, donc ça, ça repart vraiment, on va dire, euh, normalement. On a eu une petite scène avec Ryuan, quoi, et voilà, c'est reparti. Euh, les jours d'école euh, basiques. Euh. C'est vrai qu'elle elle y connaît rien. Elle, elle kiffe Anokoji, mais elle le connaît pas du tout euh, dans le fond, quoi. Le classique, hein. Lèche-vitre. Oh. Qu'est-ce que Aujourd'hui. Alors. Ah Le 25 décembre, oh, c'est Noël. <laughs> bah. Je sais pas. Peut-être parce qu'il a aussi envie de l'utiliser comme un pion. Oh là, là est-ce que. Ouais, est-ce qu'elle a peut-être plutôt le trafiquer ou. Ah. Quoi? Comment ça Genre les deux... What mm -hmm. Bah oui, bah ça je pense que... <laughs> il y a moyen, en vrai, il y a moyen. Après on sait pas, hein, peut-être que... Ah le fameux A. Ah. <laughs> ah, encore une fois. What the fuck Putain, il raccroche comme ça. <laughs> ah. bah ça bien évidemment Son pion. C'est vrai qu'on peut pas trop savoir avec Ano Kogi. Hein. Enfin, quoique. Oh! Ah là là, Kei... La jalousie. Oh, Rikita! Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Oh, Abby! Ah oui. C'est vrai! Putain, c'est vrai que ouais, il avait promis ça du coup. Génial. Oh, il lui dit en plus. Ah, elle va l'appeler. Ou voir les messages, l'appeler. Elle va l'appeler. Oh putain C'est où comme il a comme il a changé euh, son frère Ah, bah oui. Je pense que quand t'es au BDE, t'es quand même un peu le flic du lycée. Donc, euh, je pense que ça va être quand même beaucoup. Euh... Bon, pour la Koji, il faut absolument qu'elle le rejoigne du coup. Parce que sinon, son marché va tomber à l'eau. Oh Kushida! Oh là là! Oh le regard! <laughs> oh! Ah trop bien Ah je suis content de la revoir ma petite Kushida <laughs> En mode vénère, puis gentil pour le réveillon Ah c'est cool C'est cool, c'est cool, j'ai hâte de revoir Kushida dans la saison 3 Ah et du coup il a appelé Ryuan <laughs> Papeter Alors qu'il a éclaté, c'est trop bien Ah oh, c'est énorme Ah oh, la relation qu'ils vont peut-être avoir les deux, ça peut être intéressant en vrai Quoi Comment ça Sérieusement Pourquoi Ah il a tout fait exprès Putain mais Koji, mais qu'est-ce qu'il a en tête Ah bah oui Mais ça peut être hyper intéressant leur relation maintenant entre les deux. Il peut avoir beaucoup plus de respect euh, pour Anokoji du coup. Hmm. <laughs> Lui-même, il le sait. Il le sait déjà. <laughs> oh Ouais, lequel Kushida Ah <laughs> Bah oui Hum... Mm. Non ne fais pas renvoyer Kushida. Ok, c'est Kushida, voilà, mais non. <laughs> wow putain, il sort ça comme ça. Je veux faire renvoyer Kushida. Alors que Kushida est en mode je veux faire renvoyer Anokoji. <laughs> c'est trop bien, c'est énorme. En tout cas, on sait peut-être déjà ce que la saison 3 nous réserve, du coup, hein. clairement. Un combat euh, Kushida-Ayanokoji. Euh, Putain, ça promet. Ah, c'est ça le double rendez-vous. Oh ah ok, je comprends mieux. <laughs> J'adore quand ils font genre Oh là là, quelle coïncidence. <laughs> C'est trop bien. C'est trop bien, on a un mix de sérieux. Un mix de sérieux et tout. Et en même temps de détente. Ah. Le fameux... Je sais pas pourquoi, mais j'imagine bien finalement. Ben, Kay qui va beaucoup se rapprocher de Anokoji pendant ce rendez-vous. <laughs> ah, c'est cool! C'est cool, c'est cool. Le cinéma, les petits pop-corns, bien évidemment. <laughs> Anokoji va être toujours neutre. Oh là, on pleurait. <laughs> Regarde-le. <laughs> Aucune émotion, mec! <laughs> C'est incroyable! Ah, d'accord, elle a direct réservé pour 4, alors que c'était à l'improviste. Ouais, voilà! <rire> oui, oui. <rire> <rire> C'est vrai que ça, c'est. Ah, la fac! -ce que... <laughs> Mais c'est vrai que juste parce qu'elle a vu courir à fond, elle est en love sur lui, quoi. Alors que quand tu regardes, bah... <laughs> il est tellement. Oh. Ça va me faire mal au cœur, même si d'à côté c'est Anokoji, donc c'est normal qu'il va dire non et tout. Mais ça va me faire mal au cœur quand même. Ça fait toujours mal au cœur ce genre de scène dans les animés où il y a des vents. Des friend zone Ouais, les mains. Ah, ah, la fameuse. Le fameux coup de la main. Oh. Oh. <laughs> Même la façon dont il parle, ah, ah bah ouais, sourire à Nokoji, putain le jour où ça arrive, oh. ah, oh putain Oh! Il nous fait une fin de saison 1, mais en version juste pour elle. Ah, c'est tellement terrible ce qu'il a dit. Je suis capable de sourire, mais je juge que pour elle, ça vaut pas la peine. Elle en vaut pas la peine. Oh! Oh non, ouais, mais bon, c'est ça. Hein. Oh, c'est terrible. Mais c'est. c'est... pas. Voilà, c'est normal, c'est un Okoji Ah, c'est coup dur quand même. C'est coup dur quand même. Ah, le fameux coup de je rentre en courant. Le fameux. Le classico, là aussi. <laughs> ah bah il parle de qui il suis en train de me dire, mais il est sérieux de lui dire ça oh. <laughs> Ça, c'est là on a la toute fin de l'épisode là, toute fin de la saison 2 là. Oh Bah ouais <laughs> <laughs> Je sais pas ce que ça va être la fin là, mais peut-être qu'Aenokoji va s'ouvrir un peu plus là. Oh est-ce qu'il va sourire Est-ce qu'il va juger que pour Kei, un sourire Est-ce qu'on va voir Anokoji sourire pour la première fois Oh Oh, il a aussi un petit cadeau C'est quoi DX Des... Des <laughs> Oh <rire> Quel cadeau, waouh <laughs> Oui, ouais, bon. Mais où ton cadeau Il ou pas le cadeau Il va l'ouvrir à la maison Putain Oh mais non Mais non, ne nous refais pas la saison 1, non Anokoji Mais non Mais Anokoji Mais non Mais il nous refait le coup Sauf que là c'est pas Orikita, mais c'est Kei! Oh mais non! Mais putain, mais. Les... Oh mais. <laughs> J'ai débranché mon casque! <laughs> Merde! Le pion parfait, mais comment ça, mec? Putain! Il nous refait le même coup. Il nous refait la saison 1. Bah, ben, j'espère qu'un jour, quand même, oui, tu vas Kay. Euh... Et ça se finit comme ça. Putain, ils nous. Là, par contre, ils sont pas foulés, les mecs, quand même. Hein. Ils nous ont vraiment refait. Ah, c'est pas fini. Ils nous refont vraiment une saison 1, quoi. Ils nous refont une saison 1. Putain Oh La meuf de la classe A. J'oublie toujours son nom. Mais c'est la petite. C'est la petite de la A, bah oui Oh Elle aura aussi peut-être plus d'importance dans la saison 3. Ah Oh What oh. La plus grande... Mais what Oh là là hey, La suite pour la saison 3 <laughs> Bande d'enfoirés. Putain, ils nous font ça, quoi. Ah là là. Purée. Voilà, c'est comme ça que se termine. Classe of the Elite, saison 2. Putain, ils nous refait. Ayano Koji nous refait un coup. À la saison 1 en mode il pense dans sa tête et tout, je vous donne que des pions, caille aussi, elle est rentrée en plein dans mon piège machin et tout. C'est le pion parfait, me trahira jamais. Genre il avait tout prévu une fois de plus, il avait tout fait exprès. Et là à la fin, cette fameuse fille, la fille du, euh, du président. Enfin du... Oui du directeur de l'école. Putain Ah oh là là, j'ai débranché mon casque et tout, j'étais en mode mais non putain, nous refait pas ça <laughs> Oh trop bien, trop trop bien. Bon allez, je vais vous laisser l'agent pour cette vidéo. Peut-être que je ferai une vidéo à part pour donner mon avis global sur cette saison. Et euh, on verra, je verrai de mon côté. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie par avance pour avoir regardé la vidéo. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi avec moi toute cette saison 2 de Class of the Elite. Je sais pas encore sur quel autre anime je ferai de réaction par la suite, mais euh, on verra bien selon ce qui sort et selon mes envies. Bon en tout cas voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi comme d'habitude écoutez, ben, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée et vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao